Pour son premier contenu additionnel, Dark Souls 3 s'offre une petite virée au sport d'hiver avec Ashes of Ariandel. Plaines enneigées, guerriers nordiques dopés aux hormones, meutes de loups enragés, ajouté à la formule un duo de boss plutôt réussi, de nouveaux équipements et un système de matchmaking très attendu par les fans de PvP, et vous obtenez un DLC honnête, quoique un peu court. À la manière du monde peint d'Ariamis de Dark Souls 1, ce contenu additionnel se déroule à l'intérieur d'un tableau. Ariandel, Ariamis, les deux contenus se font mutuellement écho, et de multiples indices laissent entrevoir un lien direct entre ces deux mondes. Ambiance immaculée et plaines enneigées attendent le joueur dès ses premiers pas, en cet air désolé à la beauté froide. Une nouvelle fois, From Software parvient à capter notre attention avec des environnements réussis, au level design toujours aussi bien pensé. Mais ne vous fiez pas à l'apparente quiétude de ces lieux, comme dans tout Souls qui se respecte, le monde peint d'Ariandel est en proie à une corruption qui le dévore lui et ses habitants, les transformant en adversaires hargneux et mortels. Il est donc conseillé d'aborder le contenu tard dans le jeu, idéalement après avoir terrassé le boss de fin de Dark Souls 3. De la meute de loups aux guerriers vikings armés de lourdes masses, les ennemis de base représentent déjà un sérieux challenge, et on aime ça. Qui dit nouvelle extension, dit naturellement nouveau boss à affronter. On en compte ici deux. Ce qui est relativement faible pour un contenu proposé tout de même à une quinzaine d'euros. Si le premier boss du jeu, un hommage direct à un ennemi bien connu de Dark Souls 1, ne devrait pas vous poser trop de problèmes, le second adversaire vous offrira un challenge de taille couplé à l'un des affrontements les plus épiques de Dark Souls 3. La zone du DLC se décompose en plusieurs ambiances distinctes à l'esthétique réussie, comptez entre 3 et 6 heures en fonction de vos performances pour venir à bout de ce contenu additionnel. Une durée de vie plutôt maigre si seule la partie PvE de Dark Souls 3 vous fait de l'œil. On déplora en ce sens la surabondance de feux de camp, accélérant notre progression et réduisant, par la même occasion, la durée de vie du DLC. Ashes of Ariandel ne se fait en revanche pas prier pour remplir notre inventaire avec une quinzaine de nouvelles armes, plusieurs sets d'armure et une poignée de nouveaux sorts. Les armes bénéficient toutes d'effets supplémentaires et de weapon arts inédits. L'autre versant de ce DLC, et probablement l'un de ses plus gros arguments de vente, concerne la partie PvP du jeu. Ashes of Ariandel s'accompagne de nouvelles arènes associées à un vrai système de matchmaking accessible depuis le sanctuaire de Lichfeu. Le joueur dispose de différents paramètres pour personnaliser au mieux son expérience JCJ dans des modes d'arène allant du 1v1 au 3v3. Quoiqu'un peu courte, l'extension Ashes of Ariandel présente un double intérêt pour tous ceux qui souhaiteraient prolonger l'expérience Dark Souls 3. Si l'on aura vite fait le tour de la nouvelle zone enneigée, le monde peint d'Ariandel offre l'un des combats de boss les plus réussis de ce troisième volet, conclusion idéale d'un DLC à la difficulté plus corsée que celle du jeu de base. Entre les nouvelles armes et armures à récupérer sur leur route, les amateurs de PvP accueilleront à bras ouverts l'arrivée d'un véritable système de matchmaking en arène. Fonctionnel et bien pensé, il représente l'atout majeur de ce premier DLC, dont le périple glacial, bien que palpitant, s'achève trop rapidement à notre goût.